Le 7-9 sur France Inter. Oui, Pierre Gattaz, il y a deux jeunes gens ici qui sont fans de vous, qui tiennent absolument à vous parler. Oui, alors on est tellement heureux de vous voir, Pierre. Oh, j'en chialerais presque. Vous êtes notre idole. Oh, notre syndicaliste préféré. Camarade Pierrot, qu'on vous appelle. D'ailleurs, nous, on est de la CGT. Non, partez pas, mais, Pierrot, restez. Ah, oui, non, la CGT, non, le club des gattazophiles téméraires. Oui. Voilà. Et on est nombreux, on pourrait élever une armée. Oh, bah, tiens, rien que le trésorier, c'est Dominique Seux. Oh, allez, regardez comme il est content de vous voir. Oh, là, là. Regardez-le, il bondit comme la bourse de Paris quand il y a un patron qui licencie. Oh, calme-toi, Domi. Il est émotif, hein. Oui, après le passage d'Alain Madelin, on n'a pas pu revoir la moquette. Alors, attention quand même, Pierre, vous n'avez pas que des amis ici. Hein. Oh là, non, ça s'agrouille de techniciens, d'assistants. Des précaires, on les appelle. Mais rassurez-vous, on les a mis derrière une vitre. Regardez, ils ont leur enclos là-bas. Une régie, qu'on appelle ça. Et vous inquiétez pas, s'ils gueulent, on les remplacera par des Polonais, ils sont trois fois moins chers. Et c'est pas à vous qu'on va apprendre ça, Pierrot. Bon, alors sinon, Pierre, avec l'amicale CGT, on s'est rassemblés pour regarder le débat hier soir. Oui, d'ailleurs, on a vu votre hologramme. Oui, Emmanuel Macron, il s'appelle. Oh, il est plutôt réussi. Hein. Alors, physiquement, c'est pas ça, mais dans le discours, pareil. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec tous ces nuls? Franchement, vous valez mieux que ça, Pierre. C'est ça qu'on s'est dit, et c'est pourquoi on a déposé hier le nom de domaine Gattaz 2022. Oui, Gattaz président. Allez, Pierrot, oui, allez. Oui, non, mais Gattaz président, c'est mon rêve le plus secret. Allez, champion, on y va. Ouais, j'ai tellement hâte de vous voir parler épilation des sourcils chez Karine Le Marchand. Oh là là là. Et, on a déjà le slogan, Pierrot. Plus qu'un homme d'action, un homme d'actionnaire. Oh, ça claque. Pour les budgets de campagne, on a les 40 milliards du CICE. Bah, il faut bien qu'ils servent à quelque chose puisqu'ils n'ont pas servi à créer des emplois. Voilà, hein. Pour les meetings, on se fait une grande tournée des 5 étoiles. Ah oui, ça va pas s'emmerder dans les salles des fêtes comme les autres crasseux. Ah non, tiens, d'ailleurs, en parlant de des fêtes, on a des nouvelles de Manuel Valls. Oui, il veut se joindre à nous. Ah. Et il avait dit j'aime l'entreprise, oui. Et là, il veut créer le parti du CAC 49.3. Ah ben on le prend. Allez, allez, bon. Attention, il nous faut des artistes dans le comité de soutien. Ah ben j'avais pensé à Renault, ça serait logique. Ouh, donc ça fait trop bagnole, trop ouvrier. Ah, c'est vrai. Bah, sinon, il y a les Charlots. Le Parti Socialiste. Non, ceux qui chantent merci patron. Ah, excellente idée. Allez, on est bon là, Pierrot, la victoire peut pas nous échapper. Non, attendez, il y a juste un tout petit détail, Pierre. Ah, oui, le détail. C'est que président, c'est... Ouais. Oh, vas-y, toi, dis-le, oui, moi j'arrive. En fait, voilà, Pierrot, président, c'est... C'est un truc qu'on souhaite toujours pour les autres, mais jamais pour soi-même. En fait, président, c'est un CDD. Charline Van Lacker et Guillaume Meurice, merci. On vous retrouve tout à l'heure à 17h. Oui. Avec un invité. Oui, certainement, Pierre, président. Non, d'accord. Il y aura un invité. Bon, très bien, il y aura un invité.